Jamais rencontré une femme pareille. Au début, comme elle disait rien, enfin juste son prénom, Dune. J'avais l'impression d'être une proie pour elle. Je l'ai emmenée chez moi, plutôt c'est elle qui m'y a emmené. Je l'ai laissé faire. Et puis ça a été très vite. Ma mémoire est confuse, tout se mélange. Je sais pas si j'avais plus peur de la perdre ou de me perdre. Silence bourdonne dans ma tête. En fait, voilà comment tout a commencé. Voilà. Toute ma vie est là. Chez moi. Pas mal. Je trouve que ça manque d'une touche de féminité. C'est possible, c'est possible. Je vis seule. Et c'est vrai que... Que? Je suis pas très doué pour parler de tout ça. Surtout à une femme que je connais pas. On s'est déjà dit pas mal de choses pourtant. C'était rien. C'est marrant. Vous avez l'air d'aimer toutes sortes de sujets. J'aime tous les sujets. Et même les plus ennuyeux, j'arrive à leur trouver du charme. Je peux vous offrir à boire ? Je vois. Politique, polar, photo, roman, théâtre. Pour moi, un verre d'eau suffira. Deux alors. Je vais les chercher. Tu vis seule comme moi ? Complètement seul. Comme toi. Je crois qu'en ce moment, j'ai besoin de quelque chose de fort. De fort? Tu veux un alcool? Non, plus fort que ça. Quelque chose de transcendant? C'est trop compliqué pour moi. Ça fait si longtemps. J'ai rien fait. C'est tes yeux. Et puis t'es à genoux devant moi. J'ai un peu de mal. T'as peur d'être regardé? On m'a jamais regardé comme ça. Lève-toi au moins. Ou alors je suis plus dans le coup.
va pas. Si je savais. C'est l'amour qui te fait peur. J'ai tellement écrit dessus que c'en est devenu quelque chose de monstrueux. Je crois que c'est ça. Monstrueux ? Ouais. Je l'ai tellement désiré. C'est fou ce que le célibat peut fabriquer comme angoisse. On n'est pas à la hauteur quand arrive ce qui m'arrive. Même si finalement, pour l'instant, c'est charnel. Charnel ? Tu crois vraiment ? Y'a que les hommes pour penser ça, hein. Charnel. Tu sais rien de ce mot. Tu sais à quoi servent les mots? Ben oui. À communiquer. À communiquer quoi? À nous comprendre. À nous, par exemple. Tu y comprends quelque chose? Ça va venir. Enfin, je crois. T'es bien sûr de toi. Le toucher des mots dans ton esprit a autant d'effet que ma main sur ta peau. Et tu n'y peux rien. Ils ne nous aident pas à nous comprendre, ou si peu. Pour moi, les mots, c'est que caresse ou violence, chaud ou froid. C'est du charnel déguisé, qu'on accepte, qu'on refuse. Comment tu sais tout ça, toi ? Elle me posait plein de questions, mais j'arrivais pas à lui arracher un seul bout de sa vie. Cette discussion, je la sens encore palpiter dans mon sang. Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? J'écris un article pour Le Monde. Journal ? Ouais. On doit être environ, attends que je dise pas de bêtises, 700 journalistes à travailler pour eux. Enfin, pour vous qui cherchez l'information. C'est un article politique sur la nouvelle donne démocratique face à la mondialisation. Vaste sujet. Ça t'intéresse ? Ouais. Mais je m'y connais peu sur ce sujet. La mondialisation, tu connais ? Même les plus démunis d'entre nous le connaissent, malheureusement. C'est un mot qui attire et qui repousse. Un drôle de mot inventé pour les masses, espèce de fourre-tout. Un monument dédié aux fantasmes les plus éculés. Un délice de la mystification. Je suis même pas sûr de ce que je te dis, là. Ça fait du sens. Fais comme moi. Les mots au toucher. J'avais l'impression d'un interrogatoire irréel. Je l'ai laissé faire de peur qu'elle ne disparaisse. J'aimerais te poser une question que tu vas sûrement trouver bizarre. Mais dis toujours. C'est à propos de ton métier. Si un jour tu recevais une info, je dirais sensible ou secrète, à propos d'un type ou d'un parti politique, qu'est-ce que tu ferais ? Bah d'abord, je vérifierai mes sources. Ensuite, c'est selon ma conscience. Et puis après, c'est au courage de la rédaction. Oui, mais imagine, si aucune rédaction veut rapporter l'info, qu'est-ce que tu fais ? Mais j'ai jamais eu d'info. Je voudrais le faire, je suis tout petit dans le métier. Réponds. Je crois bien que j'en ferai un roman. Tu ferais ça ? Bah si c'est le seul moyen.
moyen, ouais. Mais l'info, elle serait noyée là-dedans. Enfin, c'est un peu comme moi dans la vie. Ça servirait pas à grand-chose, mais au moins je l'aurais fait. Et toi, tu ferais quoi? C'est pas moi le journaliste. De toute manière, ça n'arrivera pas. Et puis, en ce moment, la seule info que je désire, c'est d'en savoir un peu plus sur toi. J'aimerais bien que tu me dises un truc que t'as écrit. Juste un passage. Maintenant, là. Ouais. Un article roman. Comme tu le sens. Pourquoi parler encore quand tout autour de nous, la placable douceur d'un sommeil hypnotique nous invite au repos dans un champ de fraction. Je supportais plus son silence, sa vie cachée, mais qui était-elle? Qui était-elle? Me travailler au corps, je lui ai volé son carnet d'adresse. Mais qui je suis pour aller si loin? Qui je suis? Bien dormi? Ouais, super. J'ai faim! Mais j'ai fait du café. Merci. T'as bien dormi, toi? Après toi, ouais. Et tu sais ce que j'aimerais qu'on fasse demain? Non. Un resto, rien que toi et moi. Et je t'expliquerai tout. Eh ben enfin! Va pour la vérité. Je réserve une table. Et pourquoi pas ce soir? Demain. Il est trop tôt encore. D'accord. La disparition de Dune a été un cauchemar. Il ne restait plus que ce carnet froid. Dernier espoir pour espérer percer son secret. Et la revoir. Enfin, peut-être. Oui, bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Voilà, je suis à la recherche d'une personne que j'ai perdue de vue. Et votre numéro de téléphone est la seule chose qui me reste d'elle. Est-ce que vous sauriez où je pourrais la trouver? Oui, pardon, oui, elle s'appelle Dune, c'est une femme. Vous la connaissez pas? Vous êtes bien monsieur Martinez? Et vous ne connaissez aucune femme sous ce nom? Bon. D'accord. Merci. Tout son carnet d'adresse était faux. Tout. Ma vie s'est écroulée comme un château de cartes. Une nuit noire s'est abattue sur moi.
J'ai écrit des pages et des pages, cerné, exploré, trituré. Tenir au point ce mystère féminin était devenu ma seule arme contre son absence. Des visions de toutes sortes me rongeaient, je luttais. Ma vie en dépendait, je me vengeais par le truchement des mots. J'espérais de le salut. Hélène, c'est Paul. Tu vas bien? Voilà, je t'appelle parce que j'ai écrit quelque chose là, qui pourrait, à mon avis, correspondre à une pièce de théâtre. Ça t'intéresse? J'en étais sûr. Donc j'ai un seul petit souci, c'est que j'ai pas écrit la fin. Je te laisse carte blanche. Tu préfères? En tout cas, tu viens quand tu veux. Le texte attend plus que toi. Ok. T'as fait vite? Le théâtre n'attend pas. Vas-y, essaie-toi. Alors, où est-ce qu'elle est? C'est pas un chef-d'œuvre, tu sais. Je sais, mais c'est toi. Mais alors? Alors, ça suffit à me rendre hyper désireuse de la lire et de la mettre en scène. Depuis le temps que je te le demande. D'ailleurs, pourquoi aujourd'hui? C'est pas à toi que je vais apprendre les raisons secrètes qui animent la création. Tu me surestimes. Je suis jamais qu'une enfant qui sait pas grand-chose, mais qui a le sens du jeu. Comme quand on était gosses. Qu'est-ce qu'on a pu jouer, tous les deux? Je suis un peu nostalgique. C'est fou, quand même, qu'on soit perdu de vue puis qu'on trace le même chemin. J'ai pas l'impression. Oh, tu défies, t'assumes pas. Attends, mais j'aimerais bien t'y voir. Tu crois que c'est facile d'avoir tous les jours en face de soi ce miroir de la réalité qui colle à la peau? Bon, d'accord, j'assume pas. Et je te refile le bébé. T'en fais ce que t'en veux. Ce truc-là, ça me bouffe la vie. Tu veux pas qu'on le dise ensemble? Non. Et tu l'as pas terminé? Non. Je te laisse le faire. Mais j'ai confiance en toi. Je fais ce que je veux. Mmh, tout à fait. Tu imagines la femme que tu veux. En tant qu'on compte bien sûr des choses qui ont été écrites avant. Mais je suis libre. Libre. Tu prends des risques. Et puis le théâtre est arrivé. Telle une larme en moi. June, tu te mets là. Tu te souviendras de ce repère, c'est important. Ok, allez-y, vous allez me jouer leur premier rapprochement amoureux. J'aime votre appartement. On a l'impression qu'une femme habitait ici. Je me trompe? Je suis seule ici depuis toujours. J'ai bien eu quelques relations amoureuses, mais rien d'important. Ah bon? J'aurais cru. Mais parlez-moi un peu de vous. Je sais même pas où vous habitez. Est-ce si important que ça? Pour moi, oui. Moi, je trouve ça excitant de rien savoir. C'est vrai. Ah, ça dépend. Ça dépend de quoi? Les enfants, pardon, mais c'est trop mou. Souvenez-vous de pourquoi cette fille est avec lui. Elle veut absolument pénétrer dans son intimité la plus secrète, sexuelle et mentale, je dirais. Elle n'est pas dans un jeu amoureux avec lui, elle feint de l'être. C'est le mensonge qui la commande. Je veux absolument qu'on fasse ressortir la brutalité de cette action secrète. C'est pas de l'eau de rose, hein. C'est fort et presque animal, instinctif. Ok? Bon, répétez 2 minutes sur moi, j'ai un coup de fil à passer. Okay. Paul? J'aime votre appartement. Oui, ça y est, la pièce est prête.
J'aimerais que tu puisses venir au premier filage demain pour que tu me dises ce que t'en penses. Je crois que ça te plaira. Ok ? Génial. Oui, oui, toujours le même théâtre. Demain à 14h. Je t'embrasse. Allez, viens. Je suis sûre que ça va te plaire. Je vous présente Paul, l'auteur de la pièce. Erwan. Bonjour. Laura. Bonjour. Enchanté. On voulait vous concentrer un peu ? Mm-hmm. Je t'en prie. Vas-y, assieds-toi. Bon, tu vois, les décors sont pas totalement terminés, mais j'ai prévu un truc qui rappelle... Tu sais, j'ai vu dans ton histoire comme un vieux polar bourré d'invraisemblance, comme peut être la vie quand elle nous échappe... Non, et mais attends, attends, Hélène. Laisse-moi la surprise de ta mise en scène. On en reparlera après, d'accord ? Ouais, t'as raison, je parle trop. Bon, allez-y, on va commencer. Vous avez vu ? Oui. Vous avez fait un vœu ? Ça y est. Je sais pas si j'aurais voulu le dire. On se connaît à peine. Oui ? C'est quoi ? J'ai pas l'habitude de parler comme ça, je suis mal à l'aise. C'était pas dangereux pour la santé ? Allez-y. Vous me plaisez. Dès que je vous ai vu, je l'ai su. C'est vrai? Oui. Vous avez envie de moi? Oui. Oui, oui. Oui. J'ai envie de la même chose que moi. Vous aussi? Je veux rien dire sur moi. De toute façon, ça intéresse personne. Moi, si. Mais tout ce que t'es m'intéresse. Bah, tu peux me parler, hein, je t'écoute. Je crois que tu seras déçue. Très déçue. Venant de toi, je suis prêt à tout. Ah ouais. À tout. Et si je te demande de sauter par la fenêtre, tu sautes. Bah, si c'est pas trop haut, oui. Bien sûr. Quoi, tu me provoques là? Tu veux que j'y aille? Non, vas-y, assieds-toi. Le théâtre me révéla une âme plus noire que je pensais. Hélène avait réussi à dessiner avec ses comédiens toute la distance qui me restait à parcourir pour atteindre le cœur de Dune. L'amour dans son approche et qui déserte si le sacrifice est trop grand. Trop grand. Qui je suis pour prétendre un amour pareil? Qui? Je me sens vraiment mieux maintenant que je suis tout de toi. Tu sais rien. Je t'ai menti. J'en ai marre. Je t'aime enfin. Je croyais, mais non. T'en vaut pas la peine. Je vais te dire la vérité. En fait, c'est un coup monté. Une histoire bidon. Une manipulation de A à Z. J'ai foncé histoire de passer une bonne soirée. Sans plus. Je veux rien de plus. Fous-moi la paix maintenant. Laisse-moi tranquille. T'es pas le genre d'homme que j'ai envie d'aimer. Je déteste les types comme toi. Salut. Mais qu'est-ce qui te prend ? Il me prend que je me casse. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? T'as l'air absent. Mmh. Ça t'est venu comme ça, hein ? Ben oui. Pourquoi elle te plaît pas, ma pièce ? Ah si, si, si. Mais c'est cette histoire de manipulation qui me laisse perplexe. Enfin, en tout cas, c'est bien vu, mais... Enfin, tes comédiens jouent très bien. Tu dis pas ça pour me faire plaisir ? Non. Non, mais... Pourquoi t'y as vu une manipulation qui a mal tourné? Qu'est-ce qui, dans mes écrits, t'y a fait penser? Enfin, j'ai envie de le savoir. Une fulgurance. Vu comment tu l'avais décrite, ça paraissait trop beau pour être vrai. Enfin, qu'elle puisse être attirée comme ça par lui d'une façon aussi violente, ça sonnait faux. Pour moi, il la mérite pas. Même si au début, elle est là pour le piéger. Enfin, combien d'hommes méritent leur femme? Ouais. Bien peu. Mais dans Dune, il y a quelque chose d'incroyable. Elle fait semblant qu'à moitié.
Et on sait jamais à quel moment elle est vraie et pourquoi. Pour moi, tu vois, c'est ça le nœud de l'histoire. Dune s'adapte à Jack, non pas pour lui plaire, mais pour atteindre au plus vite le but qu'elle s'est fixé. En fait, elle est vraie dans son élan, mais elle est fausse dans les moyens qu'elle utilise. Ah bon, c'est une énigme pour moi. Pour moi aussi. Mais c'est cette histoire de manipulation que j'arrive pas à comprendre. Enfin, c'est par amour qu'elle veut disparaître ou parce que tout est faux? Non, tu fais fausse route. Elle avait déjà en elle l'idée d'arrêter de disparaître. Enfin, elle sait très bien qu'elle a été trop loin depuis très longtemps. Elle a perdu trop d'elle-même et le risque qu'elle prend de compliquer encore les choses, c'est une sorte de défi, de bravade. Si je te suis bien, elle cherche à mourir par tous les moyens. Ouais, elle provoque la mort, enfin inconsciemment. C'est un peu morbide. Écoute, si tu veux, je peux essayer de changer des choses, mais pas grand-chose en fait. Je le crains, ouais. Bon, bah, il faut que j'y aille. En tout cas, merci pour le travail. Non, c'est moi qui te remercie. Une dernière petite question quand même. Paul, enfin, Jack, tu le vois un peu comme un faible. Hein. Tu l'aimes pas trop alors que finalement, bah, il est victime lui aussi, enfin, sa manière. J'aime pas trop les bons sentiments. Pour moi, il sait très bien qu'il est face à une plaie ouverte, il feint de pas le voir. Ses propos sont une forme de démission de lâcheté. Je crois qu'il aurait pu la sauver. Enfin, sauver la promesse de cet amour. Et comment? Je sais pas. Je trouve qu'il est un peu lâche par certains aspects. En tout cas, il n'est pas l'humaniste qu'il prétend être. Enfin, je suis pas sûre de comprendre. Pour arranger tout le monde, on dira qu'il a été dépassé par les événements. Dune a dû voir en moi ce que j'ai pas vu. Quelque chose comme un chemin qui s'enfonce dans la terre la plus aride. Je le vois ce chemin. Et je t'attends. Sois avec moi maintenant.